Allez, hey, je viens d'embarquer un nouveau matelot. Yes, allez, viens là, mon petit matelot. Viens. Un matelot de plus pour sauver le bateau ivre. Franck et toute son équipe de moussaillons fabriquent des bateaux pour en faire une guirlande qu'ils suspendront un peu plus tard sur la place Velpo. Le collectif Eau et du bateau, auquel nous appartenons, est en train de réaliser un tour de force exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, je pèse mes mots. Un tour de force magnifique. La reprise exemplaire, pertinente, efficace, réelle, viable et durable du bateau ivre. Ah, je sais, ça vous embouche un coin. Les moussaillons arrêtent au passage les promeneurs du dimanche pour les convaincre de les aider à sauver leur bateau. Car pour beaucoup, le bateau ivre est un objet de culture, mais surtout de détente. Ça fait des bonnes distractions, des bons petits moments à passer, pas loin de la maison. Le collectif reprend le bateau. On le rachète. Et en plus, on est plusieurs. Donc on est sûr qu'ils sombrera jamais. Un bateau en effet qui n'est pas près de sombrer. Grâce à leur rendez-vous à la rencontre des Tourangeaux, ils ont pu réaliser une collecte de fonds intéressante mais pas suffisante. Je peux vous dire qu'il y a pas mal d'argent, mais surtout il y a une vraie énergie, un projet pertinent, viable, durable, une structure juridique novatrice et que derrière, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'envie, d'énergie et il y a un vrai soutien populaire. Un soutien populaire qui remettra probablement le bateau ivre sur les flots pour nous faire, on l'espère, voyager encore plus loin.